Voici le guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec un pistolet mitrailleur. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un pistolet mitrailleur comme celui-ci. Et ensuite, vous allez devoir infliger 1000 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de remercier le chauffeur du bus 5 fois. Donc quand vous êtes dans le bus, vous avez juste à faire la touche émote pour remercier le chauffeur du bus dans 5 parties différentes. Et comme ça, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans des véhicules. Donc pour vous aider à trouver des véhicules, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Alors cependant, je tourne la vidéo en avance, donc je n'ai pas les véhicules adéquats. Donc je n'ai pas le quad ni les snowboards. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver soit un quad ou soit un snowboard et ensuite voyager sur 2000 mètres de distance pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer 25 adversaires. Ensuite, le prochain défi va vous demander de gagner des PV ou du bouclier en consommant des fruits ou des légumes. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous trouver des glacières comme celle-ci. Donc là, par exemple, il y en a juste à côté de Loot Lake. Après, vous pouvez en trouver un peu partout sur la map. Donc vous trouvez des glacières et ça vous donnera des fruits et des légumes. Ou alors, vous allez chercher des champignons qui sont tout simplement enterrés dans le sol. Par exemple, à Willingwood, à Dusty Divo, à Shifty Shaft. Ou alors, vous cherchez des pommes qui sont enterrées, enfin qui sont tombées par terre près de Loot Lake, par ici, plus ou moins par ici. Et même un peu partout hein, dans Fatal Field, Salty Spring, etc. Donc dès que vous avez trouvé des fruits et des légumes, ce que vous allez devoir faire, c'est de les consommer pour obtenir soit du shield, donc du bouclier, ou soit des points de vie. Si vous avez des objets qui vous donnent des points de vie, vous avez juste à vous infliger des dégâts automatiquement vous-même pour ensuite les consommer et récupérer des points de vie. Et dès que vous aurez récupéré un total de 100 points de vie ou 100 points de bouclier avec des légumes ou des fruits, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'obtenir des armes de niveau rare ou supérieur. Donc rare, c'est bleu. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'en obtenir 15. Donc vous allez devoir chercher des armes bleues ou supérieures. Alors je pense qu'avec les distributeurs automatiques, ça peut-être fonctionner. Donc si vous tombez sur un distributeur automatique qui vend des objets bleus, n'hésitez pas à en acheter un pour voir si ça fonctionne. Même si c'est pas une arme, c'est possible que ça fonctionne. Donc voilà, si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou sinon, il faudra absolument trouver des armes bleues, de rareté bleue, ou supérieures dans des coffres ou alors sur d'autres joueurs. Dès que vous aurez obtenu 15 armes de niveau rare ou supérieur, bah là vous aurez terminé le défi. Code créateur SCL.